Yo les gars, c'est Pod aujourd'hui, très heureux de vous retrouver. Et je me suis dit directement, je viens de faire un foot, pourquoi pas ne pas présenter tous mes maillots? Non, c'est absolument faux, cette idée là je l'ai depuis une semaine. Pourquoi? Parce que vous le savez, il y a à peu près 3-4 mois, je vous avais fait deux vidéos où j'ouvrais, voilà, des maillots 2016-2017. Oui, j'ai du mal à parler. Et vous avez été très friands de ces vidéos. Et d'ailleurs, je compte en refaire, mais pour l'année prochaine, voilà, parce que ça sert à rien d'en faire pendant l'année, vu que bah, les nouveaux maillots ça sort pendant les mercato. Et je me suis dit, les amis, pourquoi pas ne pas vous présenter tous les maillots que j'ai en intégralité? Alors, il y en a une vingtaine. Alors, est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est pas beaucoup sur l'échelle du maillot, je ne sais pas. Mais pour faire un petit calcul, imaginons que tous ces maillots coûtent 60 euros. En général, ça coûte dans les 80 balles. Ça fait quand même 1200 euros. Ce qui est une somme. Voilà, c'est un smic. Donc, bon, autant vous dire, les amis, que déjà j'ai ce maillot là. Hein, voilà, le maillot de la UV qui est sorti cette année. Non, je ne suis pas Yomax. J'ai acheté, que je vous avais déjà d'ailleurs présenté dans un unboxing de vidéo. Alors, si vous voulez acheter ces maillots là, les amis, je n'ai absolument aucun partenaire. Mais certains de ces maillots là, je les ai achetés sur Sport Direct. C'est comme Decathlon, mais en Angleterre. C'est un site que je vous conseille. Voilà, mais je le dis encore une fois, je ne suis pas partenaire parce qu'il y en a qui vont dire ah, tu fais du placement de produits caché. Sponsorisé, Lina. Non, d'ailleurs, les amis, je le redis encore une fois parce que je crois qu'il y en a qui ne sont pas au courant. On a fait un petit concours avec une autre personne. Ouais, bien sûr. Du nom de Radium, voilà, les gars, on a fait un concours où on a où on vous offre une Xbox One. Il suffit juste d'RT, de me follow et de follow Radium. Enfin, de toute façon, tous les trucs sont dans la description de la vidéo. Le lien, voilà, vous cliquez sur le tweet. Normalement, c'est le premier lien que vous allez voir dans la description. Et si vous voulez gagner une Xbox One, c'est un bon plan. Voilà, c'est un petit cadeau de Noël. Oui, je vous fais des cadeaux, je suis comme ça. Alors, je vais vous présenter les maillots. Il n'y a pas non plus d'or, tu vois, c'est à dire que c'est pas parce que je le présente en premier que c'est celui que j'aime le plus. De toute façon, je te le dis, les maillots que j'aime le plus, c'est quoi? C'est ceux de l'OM, c'est ceux du Real et c'est ceux de la France. Parce que ce sont les trois équipes que je supporte réellement. Mais il y a des maillots qui restent hyper intéressants d'une part, parce qu'il y en a qui sont vraiment de collection, notamment une, hein, enfin un maillot plutôt, pas une, ce n'est pas français. Il y a un maillot de collection réellement et puis d'autres maillots quand même qui sont pas mal. On va commencer, les amis, avec celui d'ailleurs qui est de collection. C'est le maillot de Franz Beckenbauer de 1974 de la RFA de l'Allemagne, les gars. Alors, je vous le montre un petit peu. Alors, ce qu'il faut savoir avec ce maillot là, les gars, c'est que le tissu n'est absolument pas le même que ce que maintenant. C'est-à-dire que ce tissu, il est plus en coton, tu vois, c'est plus épais, tu vois, c'est-à-dire que la transpiration, quand tu transpires dedans, ça pue. C'est un maillot que je mets des fois, alors c'est vrai, bon, là, le petit Sprite Führer, des fois, ces fois, ça fait un peu nazi, mais n'empêche que ça reste un maillot collector, voilà, c'est celui quand même de Beckenbauer. Voilà, je vous montre le petit numéro 5, bien sûr, le numéro 5 de Franz. Et c'est un maillot de collection, j'ai acheté il y a à peu près, je vous dirais, il y a à peu près 5 mois, je crois, un délire comme ça, voilà, je l'avais acheté, parce que je me suis dit, dans 40 ans, ce maillot-là va coûter 200-400 euros. Bon, on sait jamais, on peut faire l'achat au bon, tu vois, avec les maillots, c'est comme ça qu'on fait. Mais bon, ça reste quand même Franz Beckenbauer qui est quand même l'une de mes idoles. Alors oui, tu vas dire, ah, t'as pas vu jouer Franz Beckenbauer yet, ta gueule. Oui, j'ai vu des matchs de Beckenbauer. Oui, j'ai vu des matchs de Beckenbauer face à Saint-Etienne. Oui, j'ai vu des. Voilà, tu veux quoi, tu veux quoi. Bref, pour moi, Beckenbauer, c'est le meilleur libéro du monde. Prochain maillot, les amis. Alors là, on va passer de Beckenbauer à Charles Caboret, tu vois le délire. Les gars, ce maillot-là, l'Olympique de Marseille. Alors franchement, ça, c'était, je dirais, l'un de mes premiers maillots de l'OM. J'en avais un, les gars. J'ai perdu masse de maillots parce que j'ai déménagé il y a 2 ans, 3 ans. J'avais beaucoup de maillots de l'OM avant. J'avais beaucoup de maillots aussi de l'équipe de France. J'avais aussi le maillot du Brésil, mais malheureusement, bah, ces maillots-là, ouais, j'ai pas pu les prendre. Bref, celui-là est pas mal, celui-là j'aime bien. Voilà, c'est celui de l'OM qui je trouve est plutôt sympa. C'est le maillot, je crois, extérieur, si ma mémoire est bonne, ou c'était le troisième maillot, je sais plus du tout. Et c'était avec ce maillot-là, je crois, qu'on avait battu l'Inter de Milan en 2010-2011, un délire comme ça, lorsque Brandao a marqué du dos. Bref, de bons souvenirs en perspective. Prochain maillot, les amis, qui pue parce que je l'ai pris du sale. Vu qu'il n'est pas encore lavé, bah, du coup, je suis obligé quand même de vous montrer, même s'il pue. Les gars, le petit maillot de Chelsea de cette année, voilà, le maillot de Chelsea. Il est plutôt sympa, vous ne le voyez pas. Et derrière, on a floqué le petit N'Golo Kanté. Un autre maillot, les gars, l'AC Milan. D'ailleurs, celui-là, ici, avec Kanté, je vous l'avais déjà présenté. Celui de cette année, voilà, celui de cette année de l'AC Milan. Avec le petit dégradé, tu vois, qui fait plaisir. Bref, très beau maillot. Moi, j'aime bien celui de l'AC Milan. Les gars, on va passer à un autre maillot. Alors, ce maillot-là, c'est le maillot de l'année dernière, extérieur de l'Olympique de Marseille. Le petit maillot de l'OM, voilà, bleu et noir. Oui, bon, bah, et blanc aussi, parce qu'il y a un peu de blanc. Je vais pas vous cacher que ma chambre, là, c'est un bordel pas possible, il y a que des maillots. Les gars, prochain maillot, celui de Manchester United. D'ailleurs, a gagné, je crois, un délire comme 4-0. Face à une équipe pétée en Europa League. Le maillot de Manchester United, voilà, derrière, bien sûr, on a floqué qui? On a floqué Pogba, voilà, pour le soutenir, les gars. On soutient nos joueurs, l'équipe de France. Voilà, le petit Paul Pogba, numéro 6. Un autre maillot de l'OM. Ben oui, les gars, et celui-là, d'ailleurs, il m'a été envoyé par Adidas. First never follow. Allez, vas-y, le petit placement produit. Le maillot domicile, voilà. Voilà. Y a absolument rien floqué derrière parce que de toute façon, je savais que tous les gros joueurs allaient partir au mercato. Hashtag Michi. Prochain maillot, les gars, d'ailleurs, premier maillot du Real Madrid. C'est pas le premier que j'ai eu, hein, bien sûr, je l'ai perdu, malheureusement.
Mais celui-là, je crois, il date du sacre face à l'Atletico, face au premier match de Real Atletico en finale de Champions League. J'ai floqué Sergio Ramos. Alors non, je n'ai pas floqué dès la fin du match, hein, de la finale. D'ailleurs, mon premier et d'ailleurs mon seul maillot de Bundesliga, j'avais celui du Bayern, mais je l'ai perdu entre temps. Voilà, c'est d'ailleurs un maillot du Bayern qui datait bien. C'est le maillot du Borussia Dortmund. Voilà, le maillot du Borussia Dortmund que je trouve magnifique. Il est beau celui, franchement, il est beau. C'est d'ailleurs le seul joueur maillot Puma que j'ai. Et voilà, bah, j'aime bien, moi j'aime bien celui du Borussia. Un autre maillot du Milan AC, parce que c'est vrai que j'aime bien le Milan en Italie, qui date, je crois, de lorsque Balotelli était encore au club, avant qu'il aille à Liverpool, je tiens à le préciser. Ce maillot-là, les gars, c'était d'ailleurs, je crois, quand Kaka aussi était revenu. Enfin bref, voilà, il y avait pas mal de bons joueurs. J'avais floqué personne, voilà, parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas floquer. Je n'aime pas ressembler à quelqu'un. Les gars, notre maillot du Real Madrid, celui-là, il date de cette année. Voilà, c'est l'extérieur que je vous avais déjà présenté pour une ouverture de colis de maillot. J'ai floqué personne derrière. Et les gars, celui-là, ce petit maillot d'ailleurs avec un faux flocage, mais je vous rassure, ce sont de vrais maillots. Tous les maillots que je vous ai présentés sont des vrais maillots, hein, les gars, c'est pas des répliques ou quoi. C'est-à-dire que ça m'a vraiment coûté de la thune, hein, tout ça. Hein. Bon, je les ai pas achetés, tu vois, tout de suite, tu vois ce que je veux dire. Et tous ces maillots-là m'ont coûté de l'argent. Donc, les amis, lorsque j'ouvre des boîtes avec des maillots dedans, ce sont des vrais, ce sont pas des répliques. Parce que j'ai vu d'ailleurs dans les derniers épisodes, j'avais fait deux épisodes d'ouverture, on me disait c'est des répliques. Non, ce ne sont pas des répliques. Alors, oui, je les trouve moins chers parce que c'est un site anglais. Et donc, forcément, les sites anglais, eux, ils ont des promotions, disons, avec les clubs anglais. Ce qui est un peu normal, tu vois. Voilà, ils ont des petits tarifs, etc. Tu m'as compris. Voilà, les gars, le petit flocage de paillet d'ailleurs qui est dégueulasse, le flocage qui est vraiment malheur, mais ignoble. Mais ça reste le maillot de l'équipe de France qu'on a malheureusement. Bon, on a perdu l'euro, oui, je le sais. Ça reste quand même un maillot collector de l'équipe de France. Je trouve que c'est un maillot qui ressemble à aucun autre. Et c'est ce qui fait la différence de ce maillot, les gars. Et j'aime beaucoup. On termine, les amis, avec deux maillots, disons, plutôt sympa. On va faire le footix, les gars. Je vous ai présenté un maillot United. Non, c'est deux maillots de City. Voilà, on est comme ça. Voilà, ce maillot-là, les amis, qui date de l'année dernière, je crois. Ouais, c'est ça, extérieur. Que je trouve magnifique. Voilà, et derrière, qu'est-ce qu'on a floqué? C'était pas le Kun, c'est le Poul, les gars. Oh là là! Le numéro 10 de l'équipe, bien sûr, c'est moi. Voilà, très beau maillot. Voilà, franchement, très beau maillot. Mais celui-là, je trouve je sais pas. Franchement, je sais pas. Le maillot de Manchester City, d'ailleurs, qui est complètement pété parce que vous l'avez vu, les sponsors sont dégueulasses. Alors, non pas parce que c'est dégueulasse de base, hein, mais parce que voilà, il y a le, je crois, il y a le A qui c'est le R. Voilà, il s'est complètement barré. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai floqué Otamendi. Voilà, Otamendi 30, les gars. J'ai floqué le petit Otamendi. Ça fait toujours plaisir. Voilà, les gars, je crois que je vous ai tout montré. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir, les amis. N'oubliez pas de lâcher le petit like, ça fait toujours plaisir. Dites-moi si vous êtes chaud pour que soit je reprenne l'année prochaine une ouverture de maillot, je sais pas. Soit que je fasse carrément une petite ouverture de maillot vintage. Alors, c'est quoi les maillots vintage? Ce sont des maillots anciens. Voilà, par exemple, ce maillot-là d'Allemagne, c'est un maillot vintage. Et pourquoi pas le faire? Je vais essayer, par exemple, trouver le maillot de l'équipe de France, des trucs comme ça, des trucs sympas, tu vois. Pourquoi pas celui de l'OM, même si ça va être très très chaud de le retrouver. Celui de 93, il est quasiment introuvable. Mais bon, on va essayer de faire l'effort. Bref, je vous dis à la prochaine, les amis. Plein de bisous. Demain, nouvelle vidéo, les gars. Plein de bisous. Peace.